34, Ésaïe 44, versets 1 à 11. Écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et ne les prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que des vanités. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes. Et n'ont ni la vie, ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes qui se réunissent tous, qui se présentent. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Amen. Nous allons chanter et puis nous allons prier le Seigneur. Yeah!
Chantons Hosanna. Merci na pourquoi les lois ne te sangani. Commence à confesser tes péchés. Commence à lui dire tout ce qui est dans ton cœur ce soir. Dites-lui, Seigneur Jésus, toi tu es le Jéhovah Rapha, tu es le Jéhovah Nissi, tu es le Jéhovah Jireh de qui pourvoira à mon problème. Alors commence à élever ta voix vers l'Éternel. Dites-lui tout ce qui est dans ton cœur. Fais ta repentance, fais ta confession devant l'Éternel. Il te donnera. La Bible dit que viens à l'Éternel avec tout ce que vous avez. Confesse tes péchés devant lui. Remets ton âme entre les mains de ton roi, de ton Seigneur. Remets ta vie entre les mains de ton Seigneur. Remets tout ce qui est de ta maison entre les mains du Seigneur. Remets tout ce qui est à toi entre les mains du Seigneur ce soir. Car il a dit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Venez, même si vos péchés sont rouges comme les filles de cramoisi, moi je les rendrai plus blancs comme la neige. Élève ta voix vers l'Éternel ce soir. Dites-lui, Seigneur, merci de nous avoir donné un temps de prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, mais nous sommes en vie. C'est pourquoi nous sommes venus, Seigneur Jésus, prier, te dire merci. Confessant nos péchés, nos fautes, nos erreurs, te montrant nos manquements, nos faiblesses, Seigneur, nos manières de vivre qui ne sont pas dignes. Alors nous voici, Seigneur. Prends-nous, éternel Dieu.
Fais de nous ce que tu veux, éternel Dieu, quand tu es le grand maître potier. Tu peux nous former de ta façon. Confesse tes péchés vers l'éternel. Prie le Seigneur maintenant. Comme tu as fait ta confession, demande-lui pardon de tous tes péchés. Tout au long de la semaine passée et le début de cette semaine, tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Alors élève ta voix vers l'Éternel. Dites-lui: Seigneur Jésus, je suis venu te demander pardon de tout ce que j'ai fait mal.
Je ne suis pas digne de monter ici. Je ne suis pas digne de se présenter devant toi. Tel que je suis candidat à la mort. Je peux être touché par n'importe quelle maladie parce que je ne suis pas en ordre avec toi. Alors je suis venu demander pardon, Seigneur, pour ma vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Dites-lui, Seigneur Jésus, je veux que tu me pardonnes de tous mes péchés. Je veux que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, effacer mes péchés, ôter mes péchés et me donner le pardon. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, que je sois pardonné par toi. Oui, le Seigneur, éternel Dieu, nous sommes venus prier, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, le pardon. Tu as dit, Seigneur, pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné une fois pour tout au calvaire. Éternel Dieu, pardonne, Seigneur, nos péchés. Nous sommes tes enfants. Nous avons mal fait. Nous avons mal fait. Papa, où est-ce que nous irons, Seigneur, si toi, Seigneur, tu nous abandonnes? À qui est-ce que, Seigneur, nous irons encore? Nous te demandons pardon, Jésus. Personnellement, Seigneur, je demande mes pardons à moi, de ma famille, de mes frères qui sont ici, mes soeurs. Éternel Dieu, pardonne-nous, papa. Ne regarde pas ce que nous avons fait. Si tu regardes, Seigneur, notre prière n'aura pas d'efficacité. Oh Jésus, nous sommes à toi, Seigneur. Nous prions, nous regardons à toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Pardonne-nous, Jésus, car toi tu es le pardon de nos péchés, Seigneur. Jésus, aide-nous, papa. Sois avec nous, Jésus. Incline ta face vers nous, Jésus. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta présence à cet endroit. Nous avons besoin, Seigneur, de toi, Jésus. Aide-nous, papa. Toi, tu es notre roi. Tu es notre sauveur. Tu es notre bouclier. À qui autre irons-nous, Seigneur Jésus, ce soir? Seigneur, tu nous as dit dans la Bible, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Sentez vos misères, soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire change en deuil et votre joie en tristesse. Seigneur Jésus, nous sommes venus, Père, parce que toi tu es la colonne de notre vie. Tu nous as dit que notre rire change. Oh Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, sentez votre misère, soyez dans les deuils, dans les larmes, que votre rire change en deuil et votre joie en tristesse. C'est pourquoi nous pleurons devant toi. Nous te demandons pardon, Jésus. Pardonne-nous, Père. Regarde, Seigneur, jusqu'à ce que nous avons fait même le paix des choses à toi. Jésus, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Jésus? Samson a crié encore une fois, Seigneur. Oh Dieu, encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, comme Samson. Encore une fois, pardonne-nous, Jésus. Toi, Dieu, l'aîné de toute l'éternité, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus dans les nouveaux. Éternel Dieu, à qui autre irons-nous, Seigneur? Toi, tu as la parole de la vie éternelle. C'est pourquoi nous approchons à toi, Seigneur. Nous savons, Père, que Dieu, tu es le rémunérateur, c'est lui qui te cherche. Ce soir, nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus, Seigneur. Tu as dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Oh Seigneur, nous voici sur la parole. Nous voici sur les messages. Nous voici sur les promesses étant de la fin. Nous voici, Seigneur, à la parole. Nous l'amenons à toi. Oh Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh Seigneur, quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Tu as dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Seigneur Dieu, merci. Pardonne-nous, Papa. Pardonne, Papa. Nous avons la foi en toi. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Donne-nous le signe de pardon que tu nous as pardonné, Seigneur. Élève ta voix vers l'Éternel. Maintenant que nous entrons dans la prière de la repentance, des prières de la délivrance, invoque maintenant le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit maintenant descende à cet endroit afin de prendre notre prière de l'amener à Christ. Il suffit seulement que nous soyons honnêtes. Il suffit que nous soyons sincères et droits. Et l'Éternel ait la foi. L'Éternel fera. Invoquons maintenant le Saint-Esprit. Il nous a dit dans la Bible, invoquez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez le nom de l'Éternel. Il a dit dans Malachie 3, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Il a dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, l'Éternel, dit l'Éternel. Oh Seigneur, nous sommes revenus. Nous demandons maintenant la présence du Saint-Esprit. Nous invoquons maintenant la colonne de feu, la puissance du Très-Haut. Nous invoquons maintenant les noms et l'onction du Saint-Esprit. Viens maintenant, Seigneur. Assiste-nous dans cette salle.